Manon, toujours prise entre son amour pour son petit chevalier et son irrésistible besoin du luxe et de l'intrigue, a rencontré le fils de Gauthier de Montrond, le vieux Richard, qui l'a fait emprisonner à la Salpêtrière. Elle compte se venger du père en dupant le fils. Des Grieux tentent tout d'abord de l'en dissuader, puis se laissent convaincre de jouer un tour à ce jeune viveur pour lui apprendre à respecter les femmes de ses amis. Il le fait enlever et garder toute une nuit par des hommes de main pendant qu'il occupera sa place dans son lit avec Manon. Mais ce qui devait être un jeu tourne au drame. Pris en flagrant délit par le vieux Gauthier de Montrond, Manon et Desgrieux sont de nouveau arrêtés et emprisonnés au Petit Châtelet. Pourtant, sur les instances du père de Desgrieux, Gauthier de Montrond se montre indulgent. Desgrieux est libéré, mais Manon sera déportée en Louisiane avec les prostituées pour le peuplement de la colonie. Après avoir tout tenté pour sauver sa maîtresse, Desgrieux organise l'attaque du convoi sur la route du Havre. Mais là encore, c'est l'échec. Et le jeune homme n'a plus qu'une ressource, obtenir du sergent qui commande le détachement d'accompagner le convoi jusqu'au port d'embarquement. Le sergent, qui le prend pour un jeune débauché amateur de filles, lui fait un tarif à l'heure. Je ne leur avais pas parlé de Manon en particulier, parce que je n'avais pas dessein qu'ils connussent ma passion. Ils imaginèrent d'abord que ce n'était qu'une fantaisie de jeune homme qui me faisait chercher un peu de passe-temps avec ces créatures. Celle à qui je voudrais parler dans le premier chariot. Ah, vous avez du goût, mon petit gentilhomme. C'est la petite mignonne qui pleure tout le temps, hein? Ah, c'est notre plus jolie, celle-là. Eh ben, vous essayez de la consoler. Ah, mais je peux tout de même pas la détacher en route, hein? Enfin, allez-y, parlez-lui, hein? C'est un écu. Manon ! Manon ! Manon ! Oh, mais elle est folle, celle-là ! Ah, tu ne peux pas te tenir tranquille, non ? Comme tout le monde. Chef, il y a un homme qui nous emmerde. Par compassion, arrêtez le convoi un instant. Cette jeune fille a voulu sauter du chariot, elle s'est blessée. Ah, c'était un écu pour parler, pas pour foutre la pagaille. Arrêtez le convoi un instant, je vous prie. Je voudrais la secourir. Je voudrais monter dans le chariot près d'elle. D'accord, mais ça sera plus cher, mon petit monsieur. Un autre écu. Voilà. Halte! Merde alors, on va faire des passes en route maintenant. Ah, vos gueules là-dedans! Sinon, je vais m'en mêler, moi, hein! Marche! Manon. Manon, je suis là. Tu es là? Tu ne m'as donc pas oublié? C'est bon d'avoir pu te revoir une fois pour te dire adieu. Ils ont séparé si vite au Châtelet. Manon. 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 Comment as-tu pu? Ils t'ont permis de venir me dire adieu. Ils t'ont relâché. Je suis libre, Manon. J'ai donné de l'argent à ces hommes. Je ne te quitterai plus. Je vais te suivre là-bas. Tu es bonne. Je le sais, moi. Ton cœur est pur. Et tu es tout mon amour. Je ne peux pas supporter que tu sacrifies ta vie pour moi. Tu es un petit seigneur. Un jour,
Tu seras riche et tu as toute la vie devant toi. Je n'ai pas de vie sans toi. Ne parlons plus, les mots ne veulent rien dire. Nous sommes l'un contre l'autre, c'est assez. J'avais perdu tout ce que le reste des hommes estime. La fortune, la respectabilité, l'honneur. Mais au bout de cette longue route, j'avais trouvé le cœur de Manon. Vive en Europe ou en Amérique, que m'importait, si j'étais sûr d'y être près d'elle. Tout l'univers n'est-il pas la patrie de deux amants fidèles? Tout au fond de cette misère, c'est la paix du cœur qui m'attendait. Monsieur, ça fait une heure. Oh, mais tout à l'heure, la fête. Les archers devinrent si intraitables lorsqu'ils eurent découvert la violence de ma passion que, redoublant le prix de leur moindre faveur, ils me réduisirent bientôt à la dernière indigence. Je voudrais aller lui parler un moment. C'est interdit. Mais hier soir, à l'étape... Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est interdit. Allez vous arranger avec le chef. Je voudrais aller lui parler un moment. Mais c'est toujours le même tarif, mon petit monsieur. Je n'ai plus rien. Alors nous, on ne connaît plus que la consigne. On ne va tout de même pas l'enfant pour tes beaux yeux, la consigne. Et les risques, alors? Mais ça se paie, Blanc-Bec. Ta nourrice te l'a pas appris. Je ne te permets pas de me tutoyer, Marot. Qu'est-ce que tu me permets pas? Mais t'as rien à permettre ou à pas permettre, Moreux. Ta petite lardoire de salon, tu crois qu'elle fait peur à un soldat? Vous nous avez appris à nous battre, mes petits messieurs, parce que ça vous était bien utile pour vos guerres. Et nous, on a appris la leçon sous les coups de canne. Maintenant, on sait. Sans compter que... si tu faisais joujou avec ça, c'est ta mignonne qui paierait les pots cassés. Tu comprends ce que je veux dire? Vous n'avez donc aucune charité? Non. Nous autres, on n'est pas assez riches pour ça. T'as plus rien? T'es plus rien. Allez, maintenant, laisse-nous, hein. Ça n'a même plus de quoi se payer un verre. Votre rencontre, monsieur, fut le seul moment de relâche qui me fut accordé par la fortune. Votre généreux secours me permit d'atteindre le Havre, et les archers tinrent la promesse qu'ils vous avaient faite, avec plus de fidélité que je ne l'espérais. Au Havre, je courus à la poste. J'avais, dès la première étape, écrit à Tiberge, lui demandant encore 100 pistoles, et lui expliquant que Manon m'était enlevée pour toujours, et que je ne pouvais la laisser partir sans quelque soulagement qui adoucisse son sort. Je comptais sur son infinie charité, et vous verrez plus tard qu'elle ne me déçut point. Et si cette personne avait répondu tout de suite? Même dans ce cas, la lettre ne peut être là avant après-demain soir. Mais le bateau lève l'ancre à la marée du matin. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est une rosse. Une rosse crevée. 10 pistoles. Mais je l'ai payé 30 pistoles il y a moins de 8 jours. 10 pistoles. Bon, c'est bien. Bon. J'ai celui-là. Il est très beau, mais il vaut 6 écus. Il est chaud? Oh, pour ça, une belle laine comme ça. Et des bonnets? Vous avez des bonnets? Oui. On voit que vous avez bon goût, mon petit monsieur. Je veux aller en Amérique. Ah. Alors, ça vous tente, vous, l'Amérique? Je n'en vois pas souvent des amateurs. Je veux y accompagner quelqu'un, monsieur, qui fait partie du convoi des déportés. Ah. Je n'ai pas à savoir votre histoire et elle vous regarde. Mais il se trouve qu'on cherche des jeunes gens disposés à se joindre volontairement à la colonie. J'ai reçu des ordres et je suis autorisé à vous assurer
le passage et la nourriture gratuite, à condition que vous signiez un engagement de 3 ans. Je compte rester là-bas. Ah ? Votre nom ? Le Chevalier des Grieux. Vous êtes noble ? Oui. Ah ! Nous mîmes à la voile. Le vent ne cessa pas de nous être favorable. J'obtins du capitaine un lieu à part pour Manon et pour moi. Pour m'assurer de lui quelques considérations, je lui avais découvert dès le premier jour une partie de mes infortunes. Je ne crus pas me rendre coupable d'un mensonge honteux en lui disant que j'étais marié à Manon. Il feignit de le croire. Ah. Eh bien, dans ce cas-là, c'est différent. Je vais tâcher de vous faciliter le voyage et de vous procurer un coin tranquille. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, n'est-ce pas? Vous avez perdu vos anneaux. Les archers ont arraché celui de ma femme, mais j'ai dû vendre le mien en route. Ah. Il ne peut pas y avoir de sauvages plus cruels que Gauthier de Montrond et son fils. Eux, du moins, nous laisseront vivre en paix. Comment sont-ils, ces sauvages? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont des plumes sur la tête et qu'ils vont tout nus. Ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Il paraît qu'il y a un arbre là-bas qui donne du pain. Du vrai pain? Non, sans doute. Mais on l'appelle l'arbre à pain. C'est un matelot qui me l'a dit. Ils nous en donneront, tu crois? Peut-être. En tout cas, ils nous apprendront à cueillir les fruits sauvages dont ils vivent. Pourquoi haïraient-ils deux amants qui verront vivre aussi simplement qu'eux? Ne connaissent ni les fureurs de l'avarice, comme Gauthier de Montrond, ni les idées fantastiques de l'honneur qui m'ont fait un ennemi de mon père. Eux, ils ne croient qu'à la nature et à l'amour. C'est pour ça que les autres les appellent des sauvages. Oui, mon amour, c'est sûrement pour ça. J'avais tout ce que je pouvais désirer au monde. Je ne regrettais point l'Europe. Au contraire, plus nous avancions vers l'Amérique, plus je sentais mon cœur s'élargir et devenir tranquille. Après une navigation de 2 mois, nous abordâmes enfin un rivage désolé. Le pays ne nous offrit rien d'agréable à première vue. C'était des campagnes stériles et inhabitées, où l'on voyait à peine quelques rochers et quelques arbres dépouillés par le vent. La ville était cachée par une petite colline. Et nous fûmes surpris de découvrir en arrivant que ce qu'on nous avait vanté comme une ville n'était qu'un assemblage de pauvres cabanes. Debout ! Le gouverneur considéra l'une après l'autre toutes les filles qui étaient arrivées sur le vaisseau. Elles étaient une trentaine maintenant, car nous en avions trouvé une autre bande à notre arrivée au Havre, qui s'était jointe à la nôtre. Gatel. Veux-tu de celle-ci? Oui, Excellence. Va. Junion. Veux-tu de celle-là? Oui, Excellence. Va. Lacombe. Le petit! Prends celle-là. Deschamps?
Oui, veux-tu de celle-là? Oui. Va. Dégommier. Fais ça. Pour les autres, tirage au sort. Appelle les hommes qui restent, et s'il y a de la bagarre, cogne. Toi, et toi. J'ai appris du capitaine que vous êtes marié, et qu'il vous a reconnu pendant la route pour des personnes d'esprit et de mérite. Je n'entre pas dans les raisons qui ont causé votre malheur. Vous êtes libre, ici. Et si vous avez autant de savoir-vivre que votre mine me le promet, je n'épargnerai rien pour adoucir votre sort. Vous êtes gentilhomme, monsieur. Oui, Excellence. Et vous arrivez directement de Paris. Oui, Excellence. Vous me reparlerez de cette belle ville. Je n'ai plus que des souvenirs déjà lointains. Je vais donner des ordres pour qu'on vous prépare un logement. Ce ne sera pas Versailles, mais nous ferons au mieux. En attendant, si vous le voulez bien, je vous retiens à souper avec le capitaine. Oh, je vous présente mon neveu Signelé, le chevalier Desgrieux et madame, qu'un hasard, malheureux pour eux, mais heureux pour nous, nous envoie. Allons, passons à table. Vous devez tous être fatigués. Nous marions ici, monsieur. Pas question de concubinage. Alors forcément, avec ce qu'on nous envoie, il ne faut pas être difficile. Un homme de qualité, même décidé à passer ses jours dans ce désert, ne saurait bouger cela. Tu les as vus? Il n'y avait rien pour toi dans ce qu'on voit, mon garçon. Et il n'y aura probablement rien dans le prochain. Je crois que la fin de la traversée a été rude. Ce n'est qu'en vue de la côte que les vents se sont un peu calmés. Madame, vous êtes la seule femme. Je veux dire que vous êtes notre invité de marque ce soir, et l'on vous doit les honneurs que l'on doit à Paris et aux grâces. Rien ne nous sera épargné. Rien. Lorsque le roi m'a envoyé ici, je n'étais certes pas un vrai parisien ni un homme de cour, mais enfin, nous avions dans ma province tout de même une société, quelques femmes d'esprit, certaines belles. Tout cela est loin. Il nous faut tout souffrir. Me voilà maintenant au milieu des sauvages. Mais enfin, c'est le service du roi. Et de Monsieur Lass. Ne parlons pas de Monsieur Lass, mon neveu. Il est là pour dorer la pilule aux Français en leur racontant la Louisiane à sa façon, comme il l'a dorée à Monseigneur le Régent. Le Mississippi, c'est beau des bords de la Seine. Enfin, espérons que cela durera et ne parlons plus de Monsieur Lass. Parlons plutôt du roi, notre maître. Il est l'avenir. Ce n'est qu'un enfant. Un enfant qui grandira. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de l'avenir en France. Les rois repoussent. Vous avez récemment aperçu Sa Majesté, Monsieur le Parisien? Oui, monsieur. C'est un très bel enfant. Et vous, madame? Je ne l'ai jamais vu, monsieur. Au roi! Le soir, il nous fit conduire au logement qu'on nous avait préparé. Nous trouvâmes une misérable cabane, faite de planches et de boue, qui consistait en deux ou trois chambres, de plein pied, avec une sorte de grenier au-dessus. On y avait porté cinq ou six chaises, une table, un lit, et quelques commodités nécessaires à la vie. Voilà. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur. Demain matin, vous nous ferez dire ce qui vous manquera. Ensemble, Manon. Tu étais un petit seigneur, toi. Je suis un seigneur très riche.
Très heureux et très puissant, Manon. J'ai tout ce que je désire. Quel seigneur peut en dire autant? Et puis, tu es un petit chimiste adorable. Tu transformes tout en or. Tu es trop bon. Tu donnes toujours. Je ne pourrai jamais te rendre. Une nouvelle vie commença pour nous. Le gouverneur, quelques semaines après notre arrivée, eut la bonté de me donner un petit emploi qui vint à vaquer dans le fort. Quoiqu'il ne fût pas bien distingué, je l'acceptai comme une faveur du ciel. Il me mettait en état de vivre et même de donner à Manon quelque agrément dont je craignais toujours qu'elle ne pût se passer. Lorsque j'étais retenu au fort, Manon s'occupait avec notre servante des soins de notre ménage, cousant et filant comme dans les temps anciens. Elle sut bientôt s'improviser avec l'aide de cette petite fille des robes ravissantes qui en firent la femme la plus élégante de notre petit monde. C'était l'éclat et la grâce des petites soirées du gouverneur qui nous recevait toujours avec bonté, ainsi que son neveu Sinley. J'avais bien vu que la beauté de Manon l'avait touchée dès le jour de notre arrivée. Ce que je ne savais pas, c'est que les occasions sans nombre qu'il avait eues de la voir pendant ces quelques mois avaient tellement enflammé sa passion qu'il se consumait en secret pour elle. Cependant, comme il était persuadé, comme son oncle et toute la ville, que nous étions réellement mariés, il s'était rendu maître de son amour, jusqu'au point de n'en laisser rien éclater. Je l'avais prise en amitié, au point de lui faire parfois confidence de l'étendue de mon bonheur. En vérité, monsieur, c'est au Nouvelle-Orléans qu'il faut venir quand on veut goûter les vraies douceurs de l'amour. Nos compatriotes y viennent chercher de l'or. Ils ne s'imaginent pas que nous avons trouvé d'autres trésors plus rares. Je le conçois, monsieur le chevalier, dans votre cas. La solitude du cœur vous ferait sans doute voir d'un autre regard, moins indulgent, ce désert et ses sauvages. Manon et moi, nous serions heureux si notre compagnie pouvait adoucir votre ennui. Elle l'adoucit, monsieur. Et le redouble. Quel bonheur de vous revoir, monsieur. Voilà une semaine que vous vous cachiez. Excusez-moi, je travaillais. Entrerez-vous chez nous pour vous rafraîchir? Non, madame. Ma présence est nécessaire au fort. Je vous prie de m'excuser. Crois-tu qu'il soit amoureux de toi? Ce sont des choses que je ne remarque plus. Et combien même, cela serait malheureux pour lui. Voilà tout.
Manon n'avait jamais été une fille impie. Je n'étais point non plus un de ces libertins outrés qui se font gloire d'ajouter l'irreligion à la dépravation des mœurs. L'amour et la jeunesse avaient causé tous nos désordres. L'expérience commençait à nous tenir lieu d'âge. Elle fit sur nous le même effet que les années. Un dimanche, en sortant de l'office, je m'ouvris enfin à Manon de ce qui mûrissait depuis longtemps dans le fond de mon cœur. Voilà longtemps que je veux te parler de quelque chose, Manon. Dieu voit notre cœur et sait que nous nous aimons.